Et salut tout le monde, c'est dans la vidéo 34. Bonjour tout le monde. Pour aujourd'hui, la suite du Watté de Luigi's Mansion 2. Oui. Aujourd'hui, on va faire le niveau boss de Sim en vue. Notez que là, on enchaîne 3 vidéos à la suite. Voilà. Luigi, le moment est venu. Il est temps d'ouvrir cette porte et de voir ce qui s'y cache derrière. J'aime bien, il fait non. Le cryptographe a maintenant localisé le fragment de la ligne noire avec 99,74% de certitude. J'aime bien ici. Tu te trouveras dans la cabane au sommet du grand arbre creux. Nous sommes sur la bonne voie. Tiens, tu auras besoin de la protoclé pour te rendre là-haut. Utilise la protoclé pour ouvrir la porte dans l'arbre creux. Monte dans la cabane. Rapporte le fragment de la lune noire et reviens en un seul morceau. Ce sera du gâteau. Oh Luigi, une dernière chose. L'octulgraphe a relevé des signaux inquiétants dans la cabane. Des signaux puissants, très puissants. Même. Sois très prudent mon garçon. Donc dans cette vidéo, en plus à la fin, il faudra qu'on vous montre tous les fantômes qu'on a capturés et tout dans la chambre forte. Donc on a pas mal de choses à faire. Et la statue de Jeanne. Oui. Donc nous voilà là, je vous rappelle, c'était la porte qui s'était fermée avec un grognement féroce. Ah, c'est bien cadré, je sais pas comment t'as fait. Ah, regardez, ça bug. Regardez, à droite, ça bug. Sérieusement, je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Si, il y avait des... Bah, au plus on venait en arrière, il y avait des espèces de petits morceaux de pixels. À chaque fois, dans ce passage, ça bug, parce que sur mon fichier aussi, ça avait bugué. Oh là là, il y a une répugnante, le monstre. On est obligé d'y aller. Et là, Sacha, tu vas voir la réponse à ta question de l'autre fois. Mmh. Bah, tu vas voir. C'est trop pas le moment. Excusez-nous, hein. J'espère que ça a pas coupé. Putain, au meilleur moment. Alors, ce niveau est galère. C'est vrai? Exactement. Vous allez comprendre pourquoi dans pas longtemps. Oh, il faut avoir de la chance. Vous avez pas de chance, vous retombez. Vous êtes tout en haut, vous retombez. Et je peux vous dire que c'est vraiment galère. Ah, tout en bas. Oui, tout en bas. Maintenant, il faut que je décastérie, je n'aime pas. Genre, lui, là, maintenant, il va pas revenir. Ah non, mais après, faut pas se gourer, hein. Regardez. Là, faut bien que je passe sur les oranges. Mais alors, regardez, on peut essayer de voir de loin. Là, au prochain, faut aller à droite. Deux fois. Ouais, t'as eu le temps de voir ou pas? Il y a des trucs qui descendent. Oui, des souris. Là, regardez, il faut aller à droite et je crois que c'était à tout à gauche. Ah non, c'était pas tout à gauche en fait. Et là, je crois qu'il faut retourner tout à droite. Faut avoir une. En fait, faut avoir une chose. Vous avez compris le principe. En plus, ils vous donnent pas de fric quand vous les tuez. Notez que plus on monte et plus la musique s'accélère. Alors là, regardez, là, va falloir aller deux fois à gauche. Regarde, c'est les escaliers qui sont pas éclairés qu'il faudra aller. Donc, deux fois à gauche, une fois au milieu, une fois à gauche, une fois au milieu. Je crois avoir vu ça, ouais. Deux fois à gauche, une fois au milieu, une fois encore à gauche. Et non. Oh la vache, putain! Si vous voulez, il est pas dur ce niveau, mais il est juste hyper chiant. Bon, alors en fait, eux, ils peuvent pas vous faire mal. Ils font que se foutre de votre gueule, c'est ça qui est chiant. Et on est reparti. C'est pas très dur parce que ils sont sympas, ils ont éclairé pour t'aider. Ouais, c'est sympa. Par contre, si tu te gourres, regarde là par exemple, si je vais là par erreur, il retombe. Hein. Alors, là, faut aller au milieu. Au milieu, à gauche. Non, la
Je crois avoir vu deux fois à gauche ou une fois après. Et là, je crois que c'est au milieu, si j'ai bien vu. Encore une fois à gauche, peut-être. Non. Allez, on peut pas passer. Non. C'est pas une cinématique. Ça, c'était tout le temps. En fait, c'est fort probable. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Je c'est crois. Long ou pas à voir la cinématique. Ouais, très long. Ce niveau, en fait, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. C'est... Je sais pas, les gens, ils font tout le temps des trucs originaux, mais là, c'est... Non, moi, j'aime bien, c'est marrant. Enfin, c'est chiant, mais c'est marrant, enfin, c'est... Ouais, il est quand même moins marrant que les autres. Hein. Imagine, le jeu, c'était que ça, tu vois, c'est... Alors, attendez. La musique XR. Deux fois au milieu. Essaye de retenir, s'il te plaît. Ouais. Deux fois au milieu. Essaye de bien voir où il va aller après. Deux fois au milieu, une fois à gauche. Ah non, on l'aura pas cette fois encore. Oh, c'est marrant, n'est-ce pas, Sacha? Non. J'aime bien en plus tous les étages, regardez. Après, tu vois le petit signal, je pense que c'est impossible. C'est possible de le faire en goût sans se tromper? Non. Enfin, si, c'est une chose de ouf. Ou si tu regardes une super soluce, peut-être. Après, non, mais ça change à chaque fois, je crois. Je sais pas. Je sais pas si c'est aléatoire ou si c'est... J'adore la musique. En fait, tu veux, là, pas... Si, il y a une technique, faut que tu retiennes, mais tu vois, regarde. C'est ça, le truc, mais c'est tellement dur, quoi. Ok. Une fois encore à gauche. Ah putain, j'ai pas vu. Là, c'était tout droit. Bon, tant pis, on dit tout droit. C'est vraiment horrible ce niveau. Tu sais, des fois, tu comprends pas Nintendo. Voilà. Bon, quand même, bref, c'est pas grave. On garde la jouer. Alors, heureusement que la musique est quand même assez bien. Par contre, dis donc, on va être haut à la fin. Non, 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 putain, j'ai failli me gourer en plus. Si vous vous gourrez, vous retombez. Hein. C'est un niveau où... Bah attendez, on va essayer de retenir un peu. Deux fois à droite. Une fois tout à gauche. Retenez bien ça, s'il vous plaît. Ok, je crois... Merde, putain, un peu plus, je me gourais. Une fois à droite, trois fois. Là, deux fois à droite, ça je suis sûr. Quoi? Attendez, vous reviendrez en arrière dans la vidéo, mais je crois voir deux fois à droite, moi. C'est pas possible! Je te jure, j'ai vu deux fois à droite. C'est pas possible, ils veulent que tu te gourres à tous les coups ou quoi? Ça, c'est le genre de niveau qui te fout. Enfin bon. À partir d'aujourd'hui, je déteste les escaliers. Je comprends pas le principe de ce niveau en fait. Franchement, je pense que le jeu sur 3DS où j'ai vu le plus de niveaux originaux, c'était pas pour Mario Stickers ça. Franchement, il y a vraiment des niveaux, parfois ils sont vraiment originaux. T'as eu du cul. Ah, t'as eu trop de chance. Carmo, t'es allé dessus et t'es redescendu. Attendez. On est plus très loin. Alors là, attendez, là je vois bien. À gauche, à droite. Ok, deux fois à gauche. Ah, je crois que je peux l'avoir là. Attends, là, c'est à droite, hein. À gauche. Et là, je crois que c'est deux fois à droite. Pitié, 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 pitié. Ouais. Dis donc, Luigi, il a de quoi être essoufflé. Ouf. Non, de toute façon, t'as pas vu les trucs qui se fermaient.
cassé. On va arriver au boss. Et si on crève au boss, je m'énerve. Tu recommences l'escalier ? Ah bah oui. Tu crois quoi ? Si tu crèves au boss, tu recommences l'escalier, mon gars. Ah, c'était déjà arrivé ? Non. Vous allez très vite comprendre pourquoi ça m'est jamais arrivé. Putain, allez, vite ! Ça, c'est comment perdre du temps dans une vidéo avec nous. Donc, elle en monte. Ah putain, j'ai touché la caméra. Cabane. Et en fait, vous allez comprendre parce qu'en fait, c'est bien, il n'y a pas de boss. On a juste à monter dans la cabane. Je déconne, bien sûr. Je ne vais pas juger ce boss, d'accord ? Je n'ai pas le droit, ce n'est pas mon travail. Ok, mais bon. T'es censé faire quoi ? Ça. Et voilà, vous faites ça trois fois et c'est bon. Attention, cette fois-ci, il lance du feu. Dites que même si vous me touchez, ça vous fait rien. Regardez. Vous voyez, il m'a touché, mais il m'a fait perdre 0 de dégâts. Bon, vous voyez, c'est quand même... En fait, là, il peut... En fait, son attaque, c'est de vous lancer des trucs de feu. Très simple à esquiver. Ou ça, là, c'est une espèce de... Franchement, je préfère aller manger l'esprit de l'araignée. Hein. Merde, non. Sonny. Désolé. Hein. Et voilà, il lui reste encore un coup et c'est bon. J'aime bien parce que c'est un escalier, il est en train de brûler quand même, mais bon, ça... Ouais, c'est rapidement. Il s'est fait toucher le zéro, quoi. Donc voilà, en fait, ce boss, en fait, tout l'ensemble de ce truc-là, c'était un peu débile, mais bon. Mieux, moi, un bout de... Oui, et voilà, j'ai gagné que 20 pièces dans ce niveau. Tu peux retourner dans la cabane ? Non. Luigi, est-ce que ça va ? Je ne pensais pas qu'un ange esprit défendrait ce fragment de la lumière. Celui-ci était redoutable, mais tu es parvenu à le vaincre, c'est remarquable. Tu as fait de excellent travail, mon garçon. Bref, je suis sûr que tu apprécies le paranormal de là-haut. Mais nous avons encore du travail. Je te ramène au bercail. Tiens, tiens, tiens bien ta casquette. Les chiens de son. Yeah.
Et donc peut-être que... Eh oui, 3 étoiles. Ah bah oui. Regardez, on a perdu 0 d'énergie quand même dans un boss. Hein. Ah mais, parce qu'il y avait que 20 pièces dans le niveau, c'est peut-être qu'il y en a. Non, pour les boss, c'est... il faut que tu perdes le moins d'énergie possible. Enfin, ça dépend, un boss, c'est le chronométré. Il faut que tu le fasses le plus rapidement possible. T'es en or ? Oui, je suis en or, j'ai 3 étoiles à tous les boss. Sauf le boss final. Et là, j'ai 2 étoiles, le boss final. Bon bref, on va pas spoiler. J'adore sa machine pour nettoyer. Content de te revoir, Luigi. Ne fais pas attention à l'odeur de popcorn qui règne dans la salle de contrôle. Le combat qui t'a opposé à ce mange-esprit était si prenant qu'il a fallu que j'aille en chercher. D'ailleurs, il est grand temps de te faire descendre ce mange-esprit dans la chambre à forte. Là, au moins, il ne causera plus de problème. J'aime bien, on est en train de se battre et lui, il mange du popcorn. Surtout qu'on fait ça pour l'aider, quoi. Alors, nouveau fantôme, spectral 52, wouhou ! Butin 20. On n'aura pas encore l'amélioration. Notons qu'encore une fois, c'était un mange-esprit qui détenait le fragment de la lune noire. C'est intéressant. Cela ne peut être qu'une simple coïncidence. Il doit y avoir un rapport entre les mange-esprits et les fragments de la lune noire. Coïncidence, je ne pense pas. Bref, il nous reste plus qu'à nettoyer notre nouveau fragment. C'est stylé, cette machine. Voyons voir le nouveau manoir qui s'ouvre à nous. Une simple tour. Et maintenant ? Bingo ! Tu as vu Luigi ? Le brouillard s'est levé sur une autre région. Voilà, donc le nouveau manoir recommencera dans notre prochaine vidéo. Un nouveau lieu rempli de spectres, tout prêt à causer des tas de problèmes, nous attend. N'as-tu pas été pixelisé sur place ? Pendularium. Voilà, le pendularium, c'est le prochain niveau qu'on fera. Avec l'heure de vérité. Mais tout de suite, on va aller, comme d'habitude, à la chambre forte. Donc, on doit avoir pas mal de nouveaux fantômes. Hein. Alors, Kiefer. Si le Kiefer aime tant te faire des farces, c'est qu'il est trop timide pour aborder les gens autrement. Dommage que ces blagues soient toujours d'un goût douteux. Le pot de colle. En temps normal, le pot de colle est un fantôme très câlin. Maintenant, il est toujours aussi attachant, mais ce n'est pas forcément une bonne chose pour ceux qui s'approchent. Merde, c'est pas ça que je vous montre. Ah bah si, le gobeur, c'est un nouveau. Gobe. Non, c'est pas nouveau. Si, c'est un nouveau. On l'avait eu au début, non ? Non, c'est pas nouveau, je vous promets, c'était pas écrit nouveau. Oui bon, le gobeur est un fantôme qui a un appétit à la mesure de sa taille. Malgré ses 8 repas quotidiens, il a toujours l'air ravi quand je lui apporte une friandise. Lucie est la benjamine des 3 sœurs spectrales. Elle est très forte pour jouer dans son charme enfantin. Elle est très forte pour jouer de son charme enfantin. Afin d'obtenir ce qu'elle veut. Bien sûr, ça ne prend pas avec moi. Ça a plus gros. C'est. 25 coucou. Mathilde. Mathilde est la cadette des 3 sœurs spectrales. Passionnée du jardinage, elle rougit de plaisir chaque fois qu'on lui dit qu'elle est belle, qu'elle est une belle plante. 50 coucou. Marguerite. Marguerite est l'aînée des 3 sœurs spectrales éternelles. Éternelle coquette. Elle demande souvent à son miroir si elle est la plus belle de la vallée. Mais elle n'a encore jamais reçu de réponse. 25 coucou. Mange-esprit grimpeur. Pour défendre son fragment de la lune noire, ce mange-esprit s'est rafraîchi au sommet d'un arbre gigantesque et a décidé d'entrer en symbiose avec un escalier.
Peut-être que là, il y a deux cornes, parce que c'est celui du monde 2. Tactol, ce fantôme a un corps d'or, mais un cœur de pierre. Honnêtement, je n'ai jamais rencontré personne de si radin. Tout renté, bah, ça on a encore rien fait. Connexion de ah, le petit chien, on le voit pas. Bah non, il s'enfuit. Donc on a tout nouveau. Et là, voir la statue. Voici la statue. C'est UJ qui est en train d'aspirer. Donc voilà, un rappel pour ceux qui se rappelaient plus de celle du monde 1. Là. Amélioration. Voilà, c'est ça. Et on a donc l'aspirateur, l'aspirat niveau 2 et le révélescope niveau 2. Donc bientôt, on aura l'aspire. Ah, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas ce qu'on aura. Oui, on a l'aspira niveau 2. On ne sait pas. C'est un cadenas, on ne sait pas ce qu'il y aura. La boîte à bout, on n'a rien. Voilà, on n'a rien. Oui, parce qu'on. Bah, justement, n'oubliez pas de nous dire. Hein. Ah, bah non, mais je suis con. C'est dans la dernière vidéo que vous nous avez dit. Du coup, on connaît pas encore votre réponse parce qu'on n'a pas encore posté la vidéo. Du coup, on commencera pour le monde 3. Alors, voilà. Donc, sur ce, on vous dit à la prochaine. Dans le prochain niveau, dans la prochaine, on commencera le pendulaire dans l'heure de vérité. On vous dit à la prochaine. C'était Mario Vidéo. Attendez, juste, je vais vous lire le résumé. Je peux le lire. Vas-y. Bah, regarde là-dessus. C'est dans le pendularium qu'on a jadis fabriqué les plus belles horloges de la région. Ta montre vient d'ailleurs probablement de là, mon garçon. Donc voilà, c'est ce qu'on fera dans le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde. C'était Mario Vidéo 44.